Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Xa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 12 de Pokémon Revolution Online. Et aujourd'hui, on se retrouve après un petit, voilà, une petite absence, voilà, bon écoutez, hein, voilà, c'est pas très très grave. Non, en fait, simplement, pour ceux qui ne le savent pas, donc je record le week-end, et en fait, je vous vois ça, donc la semaine, bien évidemment, donc c'est-à-dire mardi, voilà, mardi, jeudi et samedi. Et donc, du coup, bah, je n'ai pas eu le temps, voilà, cette semaine, simplement, de vous record ceci. Donc, du coup, voilà, tout simplement, ce n'est pas bien grave, j'ai quand même pas mal avancé, en fait, dans l'histoire. Voilà, histoire qu'il n'y ait pas trop... Parce qu'en fait, pour vous expliquer, les routes avant sont vraiment du farm. C'est du farm intensif, c'est tu tues des pokés, t'as aucune peine, enfin bref. Voilà, donc on était voilà sur cette grande route. Donc cette grande route qui, au final, il y a pas mal de Pokémon. Voilà, il y a quelques petits Pokémon assez sympathiques, tout simplement. Et donc du coup, voilà pourquoi j'ai décidé donc de vous épargner ça, on va dire. Donc depuis la dernière fois, Venusaur, enfin, il a évolué, donc Florizarre. J'ai repris Pidgeotto parce qu'en fait ça va être une arène de type plante la prochaine et en fait Pidgeotto va être pas trop dégueu, donc j'espère le monter au moins level 30, on verra bien. Et derrière il y a donc Hunter, donc il y a un Pokémon que j'apprécie énormément, donc par un ectoplasma qu'on fera sûrement en échange avec Kouza. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu son point de vue, je vous invite à aller voir parce qu'il a simplement eu un Machoke Shiny. Donc on s'échangera sûrement ça, comme ça au moins vous verrez un petit peu tout ça. Donc on va parler donc à Sergent Henry, donc je sais un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Donc voilà, donc c'est un peu comme dans le premier jeu. Et j'ai découvert voilà qu'on pouvait parler donc à ce petit bonhomme. Je sais pas, je lui avais dit non, donc du coup ça a tout à voir, vous inquiétez pas. Par exemple là, voilà, on lui dit oui, tu vois les problèmes, ça sent pas le mec qui connaît déjà. Non mais en fait voilà, j'ai quand même pas mal galéré avant de savoir, donc je suis allé voir les vidéos de Kobuza, enfin bref, tout un problème. Vous allez me dire voilà, lui il se barre au cross the world, bref. Hop, et donc du coup maintenant on peut aller parler directement à Greg et on va aller affronter voilà la team Rocket, bien évidemment. Donc lui, bon, il nous raconte sa vie, bien évidemment, et là normalement, attention, et voilà, nous sommes dans le gouvernement, disons-le, voilà, de la team Rocket. Alors attendez, je vais juste tourner ça, voilà hein. Non mais voilà, tout simplement. Et ah, c'est pas un combat. Ah, j'y ai presque cru. J'ai presque cru au combat double. D'accord, donc on peut pas aller par là. Très bien. On peut pas aller par là. Donc il nous a emmené directement dans le repère de la team Rocket. Très bien. On peut pas prendre cette Pokéball. D'accord, bon, on peut. C'est chelou ça quand même. Pourquoi on peut pas la prendre? Bon, écoutez. My bad, hein. Hop, alors à partir de maintenant, par contre, je ne connais absolument rien. Donc on peut pas aller de là-bas. J'ai presque cru. Il faut une clé. Rally. What? Look like clean, nanana. Ok, pour utiliser ça. T'as la clé, monsieur Greg, par hasard. Excellent. D'accord, il s'est TP, très bien. Le fun. Alors... Ah, la clé, ok. Alors, j'espère, en fait, je me suis demandé si, vu qu'il parlait d'Evoli, je me suis demandé si c'était un Evoli. Parce que ça aurait été un Evoli, j'aurais été quand même pas mal déçu, parce que ça voudrait dire que je n'avais pas pu le prendre, et si on ne pouvait pas venir par ici. Parce que voilà, j'aimerais avoir un Voltali, hein, je pense que vous le savez. Alors, où aller là? Bon, on va commencer par en haut, par le plus haut, bien évidemment. Donc, nous sommes dans la folie, bien évidemment. On va baisser le son, parce qu'en fait, ce son est assez strident, en fait, pour les oreilles, bien évidemment, et nocif, bien évidemment. Ah, d'accord, on peut... Bah oui, bah, enfin, c'est bon. Oui, voilà, hop, allez, on peut partir. Ok. Hop, donc au simple, on va dire que ça va être chiant parce qu'il va avoir des Pokémon de poison. Et j'ai pas en fait que Rougoup se fasse déchirer. On n'est pas allé chercher des potions. On sortira peut-être pas de la vivant. On verra bien. Oh si, regardez. Oh si, on a plein de Sudaku là, ok, j'avais pas vu. Ah mais on était... D'accord, mais en fait on était au 1 directement. D'accord. Ok, bon, on va essayer de faire XP un petit peu plus tôt. Pététo. Puis on verra bien. Hop. On va aller voir. Bah, dans le 2, du coup. On the throw. Allez hop. On se casse. Jackson. Ah, il y a Jackson. Ah, il nous affronte, du coup. Ok. Ok, bon, ils parlent tous d'Evoli. Je sais pas trop pourquoi. On va bien le découvrir. Alors, Jackson.
Ok, Canel et Kid, level 23. Ouah, non, ouais, non, hop, on change. On change, hein, voilà, parce que l'oiseau, l'excité, bon, voilà, vous connaissez légèrement les pailles, je pense. Également, hop, voilà, on remet bien le casque, ma petite gueule. Alors, ok, donc du coup, ça n'a pas affecté, ou je sais pas de quoi. Je sais pas trop ce qu'il a dit. On va faire directement Dig. Ah oui, également, oui, j'ai appris Dig et Nidoking. Alors, il m'aime suffisamment, comme vous pouvez le voir ici, pour faire tunnel, en fait, pour traverser les grottes, tout ça. Donc, du coup, c'est plutôt le fun. Hop, et là, on lui fait un gros Dig et bram, on l'arrache. On l'a arraché complètement. Et là, c'est le fun. Ok, donc, maintenant, on va essayer Dorina. Nidorina, je pense qu'on l'explose quand même bien, bien, bien avec Dig. Pense que c'est le bon plan. On va faire ça. Hop, donc voilà, il descend, il creuse, il fait un tunnel, bref, vous avez compris, hein. Bien évidemment, je pense pas que c'est le one shot. Non, c'est le one shot pas. On n'a pas énormément de level différence. Alors, ce qui me rassure, c'est que il n'est pas si haut level que ce que je pensais en fait. Genre, il est à peu près au level de Pidgeotto. À peu près. Oui, bah, c'est ça en fait. Mais putain, il est pas mort, genre. On va lui faire pique, pique, pique. Et là, il nous fait une super potion. Non, c'est bon. Ok. Ouais, donc ils sont à peu près une nouvelle Pidgeotto. Donc, ouais, il va potentiellement pouvoir essayer de se les faire. Alors, truc très important, ça va être de ne pas perdre Nidoking là. Et je pense que double. D'accord, ne tue pas du tout. Ne tue pas du tout. Alors, est-ce qu'il me tue derrière? J'espère pas. Ah, rip. Ok, rip Nidoking. Ok. Bon, bah tant pis. Ok, très bien. Donc, on n'a pas de rappel. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Voilà, je tiens à le rappeler. Bah, du coup, Nidoking, voilà, qui nous fait voir hein, encore une fois hein, la preuve de sa faiblesse. Hein. Écoutez, hein, voilà. Ah, oui, alors également, ouais, j'ai appris notre Petal Dance. Donc, avec Florizarre. Oh, bon, voilà, on tue le Gravalanche. Voilà, d'une méthode totalement. Ah, pas mal ça. Ah, ça voilà, ça je dis oui. Ça franchement. Est-ce que des gros pétales de sa mère dans sa tête, ça. C'est pas un 2HKO, je crois. Ouais, non, ce sera pas un 2HKO. Quoi? Je suis déjà confuse. Allez, tue-le. Il est mort. Yes, il est mort. Ok, ma petite gueule. Bon, bah, du coup, Nidoking moins 1. Bon, c'est normal, c'est notre rival. C'est censé être le plus fort. Bon, je ne sais pas du tout, en fait. Hein. Mais bon, écoutez, ça craint, voilà. What? Ok. Oh. Halt. Qui me parle, en fait? D'accord, donc j'ai pas eu. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ok. Bon, on va parler à Lenny. Je sais pas du tout ce qu'ils veulent. Je peux pas partir. Si, c'est bon. Ok. Bon, bah tant pis. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre. Ouais, allez. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, mais c'est. Non, mais MDR. Genre vraiment, quoi. Putain. Ok, oui, en fait, on s'est enfui. Très bien. Donc, ils nous ont mis dans une. Ah, mais faut pas se faire voir. Mais ok. Alors, hop, on saute. Oui, bon, alors. Oh putain de merde, Caplice. Ok, bon, bah, on va y arriver, les petits poteaux. Vous inquiétez pas. Donc, déjà, le bon plan, ça serait de y aller. Genre maintenant. Allez, allez. Oui, là, putain de toi. Ah! Non! Oh non! Mais mec, je vais jamais y arriver, ça bug beaucoup trop! Il y a beaucoup trop de latence! Oh là là, en plus avec tous les gens qui essayent, mon dieu! En fait, je sais pas comment il faudrait que je fasse. Parce qu'elle, elle me rode aussi, je pense. Hein. Mais non, mais please! Et au bout d'un. Lâche-moi, bordel de merde, quoi, please! Oh non, mais non, mais non, mais non, mais c'est pas possible, putain, mais. Oh là là, au carnage, mets-leur un coup de. De je sais pas quoi là dans la gueule hein. Ah, non, non, non. Non! Mais elle me rôde à des kilomètres! À des milliards de mètres, les amis! Oh là là! Ah, y a trop. Non, mais là, je vais jamais y arriver, je vous le dis. Hein. Moi en plus, je suis pas du tout patient, ça va me saouler.
Oh putain, ça va me saouler. Attendez, faut voir un peu. Faut voir un petit peu leur rotation qu'ils font. D'accord, qu'ils se tournent jamais là. Est-ce que c'est héros de Pidgeotto là? Est-ce que c'est très très grave? Voilà, on se tourne là. Là, on peut faire notre vie. Je le sens mal. Putain, je me suis dit, elle m'a pas vu. Oh merde. Ah oui, non, d'accord, donc j'aurais pu courir. D'accord, donc on peut peut-être courir. Elle, elle sait pas trop. Elle sait pas trop. Elle est un petit peu dans le mal, les amis. Hop. De dit. Ok. Bon, on va faire gaffe. On va faire gaffe à regarder. Bon, voilà. Oui, bon. Putain de merde, quoi. Oh là là là. Et c'est tellement long, ils mettent leur vie en plus à passer, quoi. Genre, tout ça pour être sûr que je passe pas, tu sais. Genre. Allez, 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 allez. Faut passer très vite. Pourquoi je peux pas bouger? What? Et lui il trace? Ah! Really? Genre réellement? Et si je redescends? Waouh! Ok, elle était juste là. C'est bon, on l'a échappé. Ah, ah non. C'est bon. Ok. Et si on descend là, donc ça fait quoi? Donc là, on est dans la première pièce, ok. Ça fait quoi si on va là? Préfère ne pas tenter. On préfère ne pas tenter, les amis. Voilà, on va faire le petit parcours. Le petit parcours fun. Alors, moi, je dirais qu'il faut passer par là. Oh putain, on fait des tourbillons. D'accord, c'est bon. Hop. Donc, on va aller par là. Oh putain, cette musique de la Team Rocket là, qui casse les couilles. Genre, vraiment quoi. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a eu? D'accord, on ne voit même pas très bien. Une max, d'accord. Donc, régène max. Donc, si on va là, on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Là on peut rien faire, donc on est bloqué, donc on est obligé de repartir par là, d'accord. Je vois le genre. Hop là, on est obligé d'aller là. Si on va là-bas, on s'arrête là-bas et ça sert à rien. Si on va là, on va là-bas. Et on s'arrête ici. Donc est-ce que c'est bien de s'arrêter ici? Là on repart là-bas et là. Je pense que c'est là qu'il faut prendre. Ensuite là. 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 Et là-bas. Normalement, c'est bon. Alors, est-ce que lui... Ah ouais, non, mais lui, il va me remettre dans la cage. Tu me remets dans la cage, toi? Il s'en bat les couilles, je crois. Une Pokéball, ok. Ok, alors maintenant, où est-ce qu'il faut aller en fait? Hop, on va se caler sur ça. Histoire de regarder un peu. Si je vais là, là, il n'y a aucun intérêt. Là, faut... D'accord, donc faut que j'aille là-dedans. Faut que j'aille là-dedans. Donc on va passer par là. Et on va aller là, ok. Ok, on tient le bon bout, je pense. Oui, je suis eux qui changent, lui. Je suis les mêmes. Non, ça change pas, d'accord, très bien. Hop, donc si on monte là, on va sur lui là. Qu'est-ce qu'il me disait lui déjà? J'espère que c'est pas un relou qui m'en met dans ma cage. Hein. D'accord, donc c'est juste quelqu'un, donc il y a un bol top. Très bien. Très bien, donc on va rechanger de Pokémon. Putain, please quoi. Oh mon dieu, please. Please. Oh putain. Hop. Hop, hop, hop. Alors, Voltop. Avec les leftovers, on va lui faire un gros pétale dance. Gros pétale dance dans les Rekos. Ça passe, on est content. Et derrière. Et derrière, un Magnéti. Alors, ça va passer un peu moins. Hein, voilà. Donc, du coup, on va changer de Pokémon. On va voir Colossinge. On va voir Colossinge. Alors, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il a.
comme dernier poké, enfin la reine plante, hein, je parle. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle a. Donc on va bien voir. On aura sûrement pas fini dans cet épisode, hein, la caverne de la Team Rocket là. Je vous l'avoue que là, voilà quoi. Hop, ok. 141 poké de l'art, très bien. Hop, et on se casse. Ok. Donc là, on n'était pas obligé de l'affronter. Est-ce qu'on les affronte? Ah, mais c'est juste un endroit random. On va les affronter parce que je sais pas trop. Voilà quoi. Ok. Bon, on voyait l'éviateur. Alors, Pidgeotto, voilà, qui est un petit peu en dessous là. Hein. Là, je vous avoue que là, la Bismillah, il est pas bien. Et si on descend tout de suite tout en bas avec l'ascenseur? Franchement, je sais pas du tout. Ah oui, il a pris Ice Fang. Je sais pas si je vous l'ai fait voir. Donc lui, il est défensif. Donc si je fais Water Gun, normalement, ça devrait lui faire plutôt pas mal de dégâts, n'est-ce pas? D'accord. Parfait. Hein, voilà, des dégâts qu'on apprécie. Ah bon, bah du coup, on va faire Rage Dragon, bien évidemment. Dragon Rage. Qui est pas mal, disons-le. Voilà. Bon, lui, il fait double hit qui fait environ 3 PV, hein, bien évidemment. J'ai très chaud en fait, donc je vais quitter ma putain de veste. C'est le mec qui donne chaud, bien évidemment. Oula, la caméra qui bug. C'est bon, on revient et ça ne bug plus. Voilà, magnifique. Alors, on continue. Est-ce qu'on l'affronte lui vraiment? En fait, je sais pas à quoi il me sert. Je sais pas, voilà. Ratata, rien, voilà. Non, mais attendez, on va essayer de le battre quand même avec Rookoops. À faire un gros tacle, bien évidemment, bon gros tacle sa mère. D'accord, il prend quand même cher, hein, le petit Pidgeotto. D'accord, et en plus, il fait environ aucun dégât. On va refaire un tacle derrière. T'as un dégât d'assurance, quoi, qui font tellement. Est-ce qu'on le tue ou pensez avec vive attaque? On le tue normalement. La logique voudrait que, bon, la logique veut, voilà, tout simplement. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a là? Porygon. Ah, ça c'est pas trop le fun, ça. Non, le fun, là, il est parti. Bon, on va sûrement le perdre, en fait. Hein. On va le perdre, en fait. Oui, je sais, je le dis souvent, mais il va mourir. Signal Beam. Ah non, ça... Il m'a tué avec Signal Beam? Ah non. Oh, alors là, j'aurais été... Ouais, ok. Bon, on va le retirer, parce qu'on l'aime bien. Je sais plus si Pokémon, il est normal ou s'il est psy. Wow, les cheveux, non. Tu ça fait ça depuis le début peut-être en fait. Oh, je sais pas, les cheveux de toute façon vous comprenez, c'est le zbeul un peu là-dedans. Donc du coup c'est normal que ça bug un petit peu quoi. Voilà quoi. Hop. On va mettre ça. Putain mais mes cheveux c'est nimp, hein. Genre si je décide de les mettre de ce côté c'est bien. Et comme ça, voilà, c'est le fun, c'est double utilité, c'est le fun, voilà, tout simplement. Il est pas mort? Putain mais quel dissident. Quel dissident, nom de Dieu. Hop, il est mort. Waouh, du coup, j'ai mal aux yeux maintenant. Bref, on s'en fout. Allez, vite. On soigne. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Le soda cool. Hop. D'accord, très bien, c'est la soigner. Hop, vite. Un soda cool, sur Rookoops. Ça va même pas la régène full, ah, tant pis. Hein. Est-ce qu'on a une petite potion par hasard qui tourne? Qui traîne une Béoran, une connerie comme ça, j'ai pas, je crois. Y a pas. Bon, au pire, on peut lui donner une. Non, oui, si on peut, bon, très bien. Voilà, une petite citrusberry, des familles. Ok, bon, à mon avis, je vois que ça qu'il faut prendre l'ascenseur en fait. À mon avis, il faut prendre l'ascenseur et aller tout en bas ou voilà, je ne sais pas. Par contre, j'aimerais bien prendre l'ascenseur. Pourquoi on peut pas y aller? Le petit bug. Et... Ah bah enfin, putain, mais... Oh, oui donc, je savais pas que c'était aussi long. Hein. Bon, B4F, on va aller. Le fun, on y est. Ok. Donc il y a Drew. Est-ce que c'était pas lui qu'on cherchait au final? Je
pense c'est lui, hein. Attendez, on va lui reparler. Ils sont balèques. Non, ils nous affrontent, ok. Ok, alors à mon avis, c'est eux qu'il va falloir affronter. Je sais pas du tout, en vrai. Hein. Ok, bon, Zubat. Zubat, ça devrait pouvoir se faire. On est à combien? 20 minutes. Bon, l'épisode sera un petit peu plus long, hein, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Critical hit. Ok, donc ça veut dire on le tuera pas derrière. On tuera sûrement pas. On va lui faire un petit coup de gueule. Du gueule, attention, les yeux là. Voilà. Putain, nom de Dieu, j'ai mal à l'œil. Bref, on s'en fout. Ok, est-ce qu'on le tue derrière avec une petite vive attaque des familles? En mode Zubat. Nickel. Nickel, parfait. Parfait, derrière, qu'est-ce qu'on envoie? Ah, tata. Le fun voudrait qu'on lui fasse un gros tacle. Un bon gros tacle. Ah, ça, c'est chiant, ça. Ah, bah, rip, hein, c'est... Voilà. Ah, non, il est pas mort. Oui, bon, alors, ok. Bon, bah, il va mourir, on va lui faire une petite vue attaque, histoire que Hunter puisse... Non, mais non, attendez, Hunter avec des attaques psy, donc non. Donc non, non, bah non, bah non, il va... Non. Oui, non, bah non. Bah, tant pis, hop, on envoie Colossinge, du coup. On va envoyer le petit Colossinge. Ok, Colossinge contre Ratata. C'est le viol, c'est le viol. Ok, bon, allez, on va essayer de se dépêcher là pour cette fin d'épisode, de les battre tous très rapidement, n'est-ce pas? Hop, qu'est-ce qu'on a ensuite? Un Magnetu, hop, ça part en gros karaté chop. Karaté chop. Et le one-shot? Ah non, Sturdy, excusez-moi. Bon, voilà, je n'y attendais pas. Mais alors, ça fait pas de dégâts, c'est nul. Enfin, non, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas du tout ce que c'était. On va faire une petite assurance, là, genre, bam, petite assurance des familles qui fait quelques dégâts. C'est plutôt pas mal, de toute façon, il y en a un MPV, donc bon, voilà. Voltobre, allez, un bon petit Voltobre voudrait que... Un bon petit Voltobre, voilà, ne résiste pas à Karate Chop. Karate Chop, ça, voilà, ça le tue, bien évidemment. Pas du tout. Très bien, c'est quoi ça? Mais quoi? Ça fait que ça? Oh putain, mais pourri, hein. D'accord, donc oui, donc ça fait vraiment que ça comme dégâts. Très bien. Allez, on va faire un gros covet derrière. Alors, cette attaque, je l'ai depuis le début, et franchement, c'est le fun. Voilà, on va... Oh là là, les dégâts. Acide spray. C'est bon, pas de poison. Très bien, bismillah. Et derrière, on le tue. On l'a tué, voilà, très bien. Ok, alors. You have won this battle. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on... Mais non, mais il s'est barré encore. Oh putain, il me saoule à tout le temps partir. Nous, on va le soigner, le petit Colossinge. Et on va parler à ce monsieur qui a l'air fort sympathique, n'est-ce pas? Hop. Tiens. Ah oui, d'accord. Bon, alors, j'espère qu'il fait pas destruction. Parce que c'est quand même un Pokémon qu'on aime plutôt bien, ce petit Colossinge. D'accord, nickel. Donc du coup, est-ce que ça... Mais ça ne le tue même pas. Putain, c'est vraiment de la merde, en vrai, un électrode. Hein. Ok, bon, très bien. Soit, voilà. Bon, bah, ça nous fait de l'XP. Voilà, le fun. Ok, donc on va redonner un petit soda cool, bien évidemment, à Colossinge. Et puis voilà. Donc du coup, cette... oui, voilà. Donc tu vois ce qui me semblait, cet endroit ne sert absolument à rien. Oui, mais c'est... Oui, d'accord. Très bien. Ah, non, on peut passer là. Attendez, il triche. Ah, il faut une clé, merde. Ah, mais merde, attendez, moi, j'ai pas la clé. Je la veux. Je la veux, cette clé. Mon Dieu, bref. En tout cas, merci à vous, les amis, d'avoir regardé cet épisode. On va s'arrêter là, sous cette musique qui est... Tintintin, voilà, qui casse les... Hein. Bien chiante. Bref, en tout cas, merci à vous du coup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à vous abonner et à commenter. Voilà, ça fait trois choses. Hop, comme ça. Bref, merci à vous et on se retrouve très bientôt. C'était Xa. Bye bye.